Salut à tous les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est le jour de l'an, donc une bonne année 2015 à tout le monde. Et pour aujourd'hui, eh bien pas de jeu, pas de test, mais ce sera un petit peu des jeux quand même, puisque j'espère que le son est bon déjà, que vous m'entendez bien, puisque ce décor particulier que vous ne connaissez pas, eh bien je vais vous présenter, donc c'est une toute petite partie de ma collection de voitures. Donc on ne quitte pas les jeux vidéo, puisque je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai comme jeu, notamment des plus anciens jeux que j'ai, et eh bien voir ce à quoi vous pourrez vous attendre dans les semaines à venir en termes de tests rétro, de découvertes, etc. Donc c'est pas un spoil, puisque ce que je vais vous montrer, il n'y a rien d'exceptionnel, simplement ce que moi j'ai à ma disposition pour l'instant et ce que j'ai à vous proposer dans les jours et surtout les mois à venir. Allez, on va commencer avec un classique mais toujours aussi efficace, le Burnout Paradise édition Ultimate. Alors sachez, hein, je vais vous dire un petit peu quand je passe les titres, donner un petit avis vite fait, et surtout vous dire que ce sont tous des jeux que j'ai achetés, eh bien neufs pour la plupart. Il y en a quelques-uns qui viennent d'anciennes comme Cash Converter, des choses comme ça. Sachez que mes jeux PC, si jamais plus de 50 cents, à 1€. Donc pour ceux que je trouve maintenant. Donc Burnout Paradise, excellent. Je l'avais dévoré sur Xbox 360, donc vraiment un jeu excellent. On continue, Verali 2, alors là... Vraiment un jeu que j'ai pas beaucoup torché quand j'étais gosse, mais qui est beaucoup plus sympa que le premier, puisque celui-ci est beaucoup plus maniable, et le premier était absolument immonde. Andretti Racing. Alors Andretti Racing, c'est un jeu qui a très mal vieilli, et n'y touchez pas. Éloignez-vous le plus possible de ça, pour votre bien. Pour votre santé mentale, surtout. Alors je le prends comme ça vient. Alors un jeu que j'adore... F1 Challenge 99-2002 avec Montoya sur la pochette. En fait, ce jeu, je l'ai eu à l'époque de sa sortie sur PC et ça reste une excellente base pour les mods, puisque j'avais quasiment toutes les saisons de Formule 1 depuis 1975, si pas plus loin, 75 pardon, en mod, et j'avais téléchargé tout ça sur un site qui a fait faillite il y a peu de temps, qui s'appelait resimulation.com. Qui était une source d'archives excellente, donc vraiment un excellent jeu de Formule 1 fait par Electronic Arts. On continue avec Juiced. Alors là, la boîte a un peu plus vécu et c'est un petit peu plus pourri que... Pardon, je me penche à chaque fois, vous m'entendez un peu m'éloigner du micro. C'est pas un jeu qui m'a vraiment éclaté, puisqu'on sortait d'un Need for Speed Underground qui était vraiment excellent, et passer après ça, ça a été difficile. Donc Juiced, pas terrible. Voilà. Alors, Netcar Pro Racing, fait par nos amis de chez Kuno Simulation, Simulazione. Et c'est un jeu que j'ai eu le malheur de trouver par hasard en boîte et qui était étiqueté à 5€. Et finalement, en caisse, on me l'a facturé 10€. Mais bon, j'ai quand même su négocier pour l'avoir à 5€. Mais bon, les grandes surfaces hein, et leur solde, j'avais trouvé ça pendant des soldes en France. En fait, j'habite pas loin de la frontière française. Voilà, donc Netcar Pro, excellente base qui est devenue, eh bien, assez tôt Corsa avec le crowdfunding. Rally 2000, alors Rally 2000, celui-là, il vient d'un cache. Je dois encore mettre une boîte neuve. Celui-là, je l'ai énormément torché quand j'étais petit. J'adorais la Mégane Kit Car. Et vous aurez, dans pas si longtemps que ça, je pense, un test sur ce jeu, si ce n'est déjà fait. Donc très bon jeu, ce Rally 2000, foncez si vous trouvez. L'une de mes références en termes de simulation, GTR 2, qui est donc la suite de GTR tout court, et qui est donc excellent, et celui-ci est particulièrement complet. Donc vous avez le manuel, etc. Mais j'avais... Non pardon, je confonds avec le premier qui lui est la carte qui est toujours disponible. Donc GTR 2, vraiment excellent. On avait Rally 2000, on passe à Rally Trophy. Rally Trophy qui est simplement l'équivalent de Rally 2000, sauf que vous avez des voitures historiques, donc il n'y en a pas énormément. Vous en avez quelques-unes, voilà, vous avez de la Volvo, Amazon, vous avez de la Mini. Ouais, c'est pas... C'est sympa, c'est le même moteur physique, mais bon. Ça vaut pas le coup si vous l'achetez plein pot. Une autre légende, Richard Burns Rally, Richard Burns... eh bien, qui reste pour moi un des jeux les plus durs et que j'ai encore du mal aujourd'hui à doser, même avec un volant et de l'entraînement. Donc vraiment ça, si vous voulez vous arracher les cheveux, c'est vraiment là qu'il faut aller, c'est sur ce Richard Burns Rally. Une autre légende, alors ça c'est de la boîte en carton, hein, voyez, c'est d'époque.
C'est fait par, par Micropause. Je dis pas de la merde. Non, c'est fait par Infogrames et Micropause, oui, voilà. Microprose, pardon. Et c'est un Grand Prix 4 complet. Donc voilà, vous avez encore les jeux de l'époque. Hein. C'est ce qui faisait le charme pour moi des jeux PC, ce sont ces boîtes en carton. Voilà, donc vraiment excellent Grand Prix 4, même si mon préféré reste le 3. Vous avez eu la première découverte il y a quelques jours, DTM Race Driver 2, sur PC, également acheté en cash pour 1€. Excellent, c'est une série excellente. Dès que vous trouvez un truc avec Race Driver, achetez et foncez sur cette boîte, c'est du tout tout bon. Colin McRae Dirt, alors la licence Dirt, j'ai eu des hauts et des bas avec cette licence, j'ai vraiment kiffé le premier, donc celui-ci, qui à l'époque, eh bien, ramait lors de la cinématique d'intro et faisait planter mon PC tellement il était peu puissant. Donc ouais voilà, ce Dirt premier du nom est excellent, j'ai beaucoup aimé le premier, je l'ai détesté le deuxième et j'ai adoré le troisième. D'ailleurs le deuxième je ne le possède toujours pas. Un autre jeu qui passera bientôt dans les épisodes du coup d'œil dans le rétro et de la découverte, je ne sais pas encore comment je vais le classer celui-là, c'est Shift 2 que j'ai tout simplement détesté de par sa maniabilité et son comportement, mais qui était très réussi visuellement. Pour moi c'est à éviter. Je vous en parlais dans la découverte, le Toka Race Driver, donc ça je ne vais pas m'étaler, vous avez la vidéo pour en savoir plus sur mon avis. Le seul, l'unique, puisqu'il n'y en a pas eu d'autre pour moi, le Need for Speed Most Wanted, sorti en 2005, donc jeu Electronic Arts qui était vraiment sublimissime, avec cette BMW M3 qui est excellente. Le skin était superbe. Après Shift 2, Shift 1, pareil, un gros souci de physique. On a cru qu'on allait pas se faire avoir deux fois en achetant le 2, mais si, on s'est bien fait avoir. Les deux jeux étaient très mauvais, j'ai un deuxième GTR 2 qui traîne, ça je vous en dis pas plus, ça s'écroule, c'est magnifique. Alors, une des nombreuses extensions, donc ça je vais vous les faire par deux, sinon on va pas s'en sortir. Donc j'ai un GTR Evolution et j'ai un Race Room qui traîne, je pense que je n'ai plus rien d'autre. Donc ça c'est des extensions qu'on achetait encore en boîte, donc ça c'est quand même cool. Et la base de tout ça, eh bien c'est ceci, un Race 07. Race 07 que j'avais trouvé quand j'étais forcément un peu plus jeune, en allant faire du shopping à Bruxelles avec mes parents, et j'étais tombé dessus pour 30€, et j'ai dit « Maman, achète-moi ça !» Puisque même à 17 ans, j'étais comme ça. Non, je plaisante, bien sûr. Non, je voulais me l'acheter, mais il me manquait un petit peu de sous, puisque c'était en fin de parcours, dirons-nous, de shopping. Donc j'ai su l'acheter avec ce qui me restait dans le fond de ma poche. Mais finalement il s'est avéré que mon PC ne tenait pas le coup. Donc eh bien, je n'ai pas pu en tirer grande partie. Même si c'est pour moi une des boîtes qui m'a le plus donné envie visuellement avec les screenshots. J'ai toujours trouvé ça vachement sympa et ça m'a vraiment donné envie. Donc Race 07, une vraie base. Un autre jeu sur lequel je me suis arraché les cheveux, qui est du regretté studio Simbin, eh bien c'est ce GT Legend. Alors GT Legend, il faut savoir que je l'avais acheté à l'époque et je n'avais pas encore de volant de qualité. Et eh bien du coup ça me... comment dire, ça m'avait vachement énervé parce que je m'en sortais pas avec ce jeu. Donc il était trop difficile pour moi, j'avais pas les moyens de piloter les voitures. Et je l'avais revendu et je l'ai retrouvé il y a pas si longtemps d'occasion et je l'ai repris parce que voilà. C'est des choses à avoir dans une collection si on aime bien les jeux de bagnole. Alors une des pièces dont je suis le plus fan, c'est GTR premier du nom avec deux cartes. Alors pourquoi il y a deux cartes? Savoir que je l'ai trouvé ça d'occasion dans un cache et il y avait la carte qui était encore dedans. Donc la carte date de l'époque. Donc voilà. Et vous aviez l'autre carte qui est ici, que j'avais signée d'ailleurs. Donc c'est une vieille signature. Voilà, donc vous avez les codes. Je sais même pas si c'est encore possible de s'enregistrer pour jouer au multijoueur. Avec, de toute façon je ne touche plus au multijoueur, donc de ce GTR qui était vraiment excellent. Moi qui suivais les 24 heures de Spa à la télévision, quand j'ai vu la pochette avec la Saline, la Porsche de chez Freisinger Motorsport, avec notamment Stefano Ortelli comme pilote, qui ont gagné les 24 heures 2003 sous une pluie, mais alors torrentielle. Et puis les screenshots, quoi. Vous voyez les Vipers de chez l'Arbre, l'Easter Storm, les caméras embarquées. La Seat Toledo que vous avez, que j'ai ici, je vais vous la montrer. Comme ça, vous voyez un petit peu. Voilà, la Seat Toledo qui est la version 24 heures de Spa.
Toujours adoré cette voiture. Vincent Rademacher roule avec, si je dis pas de bêtises. Alors, on touche à un truc un peu moins simu, mais toujours aussi fun. Flat Out 2, c'est le dernier qui était excellent, et les deux premiers étaient super bons. Après, c'est parti en vrille, comme on sait. Alors là, une autre légende, il l'a même dans le nom. Grand Prix Légende, un jeu extrêmement compliqué, donc fait par Sierra et DICE. Je pense que c'est le jeu le plus dur avec Richard Burns auquel j'ai eu la chance ou la malchance de jouer. Donc ça reprend la saison 67 de Formule 1. Voilà. Très compliqué, très difficile, même avec un volant, vous arrachez les cheveux. Un autre race driver, c'est le Grid, dont les serveurs PC étaient encore disponibles. Je me demande s'ils n'ont pas fermé. Il y avait tellement une communauté importante sur ce jeu que les serveurs 360 sont encore restés ouverts très longtemps. Bien après ceux que la PS3 est fermée. Mais un mode carrière excellent, ce sera dans un épisode du coup d'œil dans le rétro, je vous le promets. Allez, je vais accélérer un petit peu pour pas que ça prenne trop de temps. Il y a déjà 10 minutes que ça tourne, on va passer au jeu de NASCAR. Alors j'en ai d'autres, mais ces deux-là, vraiment, c'est les deux que j'ai le plus torché quand j'étais gamin. Surtout le 2002. Pourquoi le 2002? Parce qu'en fait, je ne m'y connaissais tellement pas en PC que suite à une erreur de manipulation, j'étais passé en vue de télé. Et je passais mon temps à rouler sur les ovales en vue de TV. Je trouvais ça excellent. Et alors le NASCAR Racing 4 qui était tout aussi bon. Vraiment, ceux qui étaient faits, les jeux qui étaient faits par Sierra étaient vraiment, vraiment superbes. Du moins à cette époque-là, ça valait vraiment le coup. On enchaîne avec un autre jeu. Alors là, si vous avez des problèmes de vue, n'approchez pas de ce jeu, puisque vraiment visuellement c'est de la bouillie de pixels. On faisait vraiment beaucoup mieux à l'époque. J'avais l'impression que le jeu était en mauvaise résolution quand je l'avais sur mon PC. Mais même sur un écran cathodique, vous allez vous arracher les yeux. Je sais pas si vous pouvez lire un petit peu. Vous ferez pause hein, pour lire un petit peu les jaquettes si ça vous intéresse. Mais les screenshots étaient tellement... Enfin, c'était tellement trompeur, quoi. Ça donnait vraiment envie, alors qu'en fait, c'était de la merde. Alors, on a bientôt fini. Ça continue à se casser la figure. Need for Speed, Hot Pursuit, pardon. Ouais, j'y ai pas trop touché à celui-là, vraiment, ça m'a pas... C'est l'âme des Need for Speed, mais moi, ça m'a jamais... Le côté flic voyou, ça m'a jamais vraiment attiré plus que ça. Sauf quand c'était bien fait, comme par exemple dans celui de 2005, le Most Wanted. Un jeu dans un état dégueulasse, mais excellent, Colin McRae Rally 2004, avec comme particularité... 4 fucking CD d'installation, donc accrochez-vous. Vous pouviez prendre votre chocolat chaud, vous installer, vous allez passer l'hiver à l'installer, mais alors une fois que c'était installé, qu'est-ce que c'était fun. Et vous aviez à l'époque, je ne sais même pas si je l'ai encore dedans, non, les codes bonus. En fait, vous pouviez, j'imagine que c'est encore dedans, vous pouviez téléphoner, on vous donnait les codes pour débloquer le groupe B. Et à l'époque, ou bien on ne trouvait pas de sauvegarde sur le net de 100%, des choses comme ça. C'est comme ça qu'on faisait, et là, c'est vrai, franchement... Les screenshots, les vues embarquées, ça m'a vraiment donné envie. Et j'ai acheté ça extrêmement cher à un voleur dans la ville où j'habite qui fait des jeux. Et qui les fait toujours aussi cher alors qu'il vend de la merde depuis 20 ans. Je ne sais pas comment ce magasin continue à fonctionner. On continue les bouses. Voilà, Virtual Grand Prix 2, c'est de la merde. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la catégorie bouse qui vous pique les yeux? Warm-up, j'ai payé ça 2€, n'achetez jamais ça 2€, c'est une arnaque. Warm-up qui est vraiment naze, quoi, honnêtement. Je me rappelle qu'à l'époque, quand je prenais des Frosties de Kellogg's, placement de produit, vous aviez découpé en 6 CD, 6 CD de jeu. Ça, je ne l'ai même pas ouvert. Ah si, ça y est. Vous aviez en fait 6 CD de jeu et vous aviez chaque fois des circuits et des voitures. Et quand vous achetiez eh bien, plein de paquets de céréales, vous avez tous les CD. Sauf qu'on ne voyait pas le CD et j'ai eu 14 fois le même CD, je pense, avant d'acheter. Puis, ayant fait 14 indigestions, j'ai arrêté les céréales. Voilà, on continue. Donc, un jeu que je n'ai pas eu trop le temps de jouer parce que les courses étaient extrêmement longues, mais qui était extrêmement bien fait pour l'époque. 24 heures du Mans, que j'ai trouvé en best-of récemment dans un super bon état. Le CD est nickel. Voilà. Donc, ça donnait des belles images. Franchement, la jaquette est vraiment excellente. Moi, ça m'a vraiment donné envie. Ouais, imaginez plus. Ouais, les 24 heures du Mans. On en a eu des jeux du Mans, hein. Un autre jeu qui est excellentissime, mais il nous faut l'internet, c'est Trackmania, l'original, qui était vraiment superbe. Les Trackmania, j'ai fait des circuits sur Trackmania, mon dieu, j'ai des dossiers, mais perdus dans des disques durs revendus. TDU2, j'ai fait 4 courses. J'ai acheté une Lancia Delta,
J'ai fait l'intro avec la Ferrari où il y a une fille qui nous donne... Oh mais dis donc, je ne te connais pas, je te donne ma voiture à 215 000. Oh et le code, magnifique. Vous avez vu le code, oh, la foutre, tiens, si vous voulez le voir. De toute façon, il est plus... Je sais même pas si c'est encore voilà, mais je n'y jouerai plus. Et puis Dieu créa les cracks. Ouais, donc TDU2, vraiment plus d'intérêt de l'acheter. Le MotoGP Ultimate Racing Technology 2, un long bien trop long pour si peu de qualité. Moi j'étais sur GP500 et Moto Racer depuis, moi les jeux de moto, bah, ça a vraiment perdu de sa saveur. Ouais, ici vous avez la saison 2002 de MotoGP. Ouais. Moi je suis pas vraiment de souvenir de ce jeu, c'était pas vraiment fun. Un des derniers jeux de Formule 1 que j'ai F1 Championship saison 2000 en édition IE Classic. Il était vraiment excellent celui-là, le 2000. Enfin, de toute façon, tous les jeux Electronic Arts de Formule 1 étaient globalement bons, puisque c'était simplement une update un peu graphique. Même si je me rappelle que quand j'ai eu le Challenge 99-2002, j'avais vraiment vu une belle évolution. Dirt 3, le dernier Dirt sorti. Non, il y a eu Showdown après, Dirt Showdown, que je n'ai pas parce que je n'ai pas du tout aimé le concept du Showdown, ça ne m'intéresse pas, c'est trop pour les jeunes, moi je sais pas, c'est classique. Moi, un rallye, c'est point A, point B avec une voiture qui fait beaucoup de bruit. Non mais, j'étais pas vraiment fan du Showdown, mais le 3 m'a vraiment, vraiment, vraiment fait plaisir. Surtout le Gymkhana, qui est très facile à prendre en main et donc facilement jouissif. Le Gymkhana était vraiment excellent. Donc Dirt 3, si vous trouvez ça, moi j'ai payé ça 30 centimes. Foncez-y, Euro Rally Champion, avec une magnifique Clio, avec une plaque dégueulasse et une photo dégueulasse. Je sais pas si vous voyez la qualité de la photo avec une carte derrière, c'est juste immondissime. Ouais, bah un jeu de rallye comme on en avait pas mal à l'époque, quoi, au niveau de la... Enfin, c'était pas terrible, honnêtement, on avait tellement de jeux de rallye que pour moi, il y en a la moitié acheté à la poubelle. Et on va terminer, j'en ai pas beaucoup, j'en ai 3, 4, j'en ai 5. J'ai 5 jeux en boîte cartonnée de l'époque. Donc celui-ci, qui est je pense un des plus vieux que j'ai, donc c'est fait par nos amis de chez Sierra, donc NASCAR Racing, vraiment excellent, c'était pixelisé, mais c'était bon, c'était juste excellent, les vrais jeux de NASCAR, pour moi c'est ceux-là les vrais jeux de NASCAR, c'est pas NASCAR 2014 qui était juste pas terrible pour moi, enfin bon voilà. 24 heures du Mans, une autre version. Donc là, je vais devoir bouger un petit peu parce que sinon, vous allez jamais faire le. Vous allez jamais voir toute la boîte. Un packaging que j'adore avec la 333 SP. Bon, c'est pas la plus belle livrée. Moi, je préfère la livrée qu'il y a eu avec l'équipe belge. De la Marcos, de la Mercedes. Enfin, vous pouvez pas voir, il y a de la Mercedes, il y a de la Panos, il y a de la Mustang. Donc vraiment excellent. Trouvez 1 euro. Alors, là, on entame les deux choses que j'ai trouvées récemment. Alors, celui-là, je l'ai eu sous blister, comme on dit. Il est neuf. Le F1 Racing, il est neuf, de chez nos amis, de chez Ubisoft. À l'époque où ils sortaient des jeux sans patch Day One. Et alors, la jaquette avec... pas de Rodman, ça, pas de tabac, les amis. La loi F1 nous avait déjà pourri la tronche. Et le jeu est complet et il est neuf. Puisque j'ai moi-même retiré le blister, puisque j'ai eu ça à un vendeur de jeux vidéo dans ma région, qui est quelqu'un d'extrêmement sympathique, qui est un excellent commerçant. Voilà, donc on reprend. Désolé pour la petite interruption, je termine. Voilà, donc je vous montrais ce Fat Guide, le guide des pilotes, c'est marqué là, qui est ce qu'on avait dans pas mal de jeux à l'époque, qui reprend, je vais commencer par la fin, c'est très logique. Voilà, donc vous avez les circuits avec les records, les chronos, tout ce qu'il y avait comme tracé dans la saison, pardon, et aussi les équipes. Donc voilà, par exemple, la magnifique équipe. Qu'est-ce qu'on va prendre de bien kitsch Voilà, tiens, l'équipe Ligier, donc écurie française. Avec notamment Olivier Panis, motorisé par Honda, et Pedro Diniz. Voilà, donc vous avez à chaque fois des screenshots de la voiture et les photos des pilotes, pas des patrons d'équipe. Voilà la photo de famille de la saison, qui a été faite, je crois, à Suzuka, si je vois bien, fin de saison.
Et puis vous avez donc tous les réglages. Donc c'est vraiment un bon gros bouquin fat, comme on avait dans beaucoup de jeux à l'époque. Donc voilà, on vous apprend comment faire un roulis, un carrossage, tout ça. La hauteur de caisse, qu'est-ce que c'est que le roulis, voilà, le tangage, les trois axes, l'effet de sol, comment prendre un virage. Voilà, donc c'est vraiment complet. Et alors vous aviez donc une démo, je ne sais pas ce que c'est, une démo de Subculture 3D. Voilà. Un truc qui avait aussi pas mal à l'époque que moi je trouvais excellent et que je trouve encore dans d'anciens jeux. Alors là c'est de la pub éhontée, donc il y avait voilà, il y avait sûrement le CD de démo là-dedans qui a dû foutre le camp. Oui. Ah non, ça c'est, voilà, c'est les fameux questionnaires à renvoyer. Et donc le jeu qui est dans un état nickel de chez nickel. La boîte n'avait pas été ouverte jusque bien, cette année 2014 où j'ai trouvé ce jeu dans une étagère, donc je répète, chez un commerçant de ma ville que je salue et que je trouve vachement sympa. Et c'est assez rare dans ma ville des commerçants sympas. Et on termine avec, pardon, le dernier jeu en boîte que j'ai qui est culte, on va dire. Si je vous montre ça, ça doit vous dire quelque chose. Et si je fais ça... Ouh, voilà, Colin McRae Rally. En version carton, hein, donc... le meilleur simulateur de rallye jamais réalisé sur PC. Bon, on repassera. Mais voilà, donc... Oula, il est à l'envers, bien sûr. En boîte, avec la vue embarquée. Sur Monte Carlo, l'écran splitté, forcément, à l'époque, vu que c'était classique. Et vous aviez donc toutes ces voitures... qui était dans le jeu. Allez, on va l'ouvrir, rien que pour remettre au droit. Celui-là, malheureusement, il n'est pas complet. Je n'ai pas la notice, mais j'ai toujours la facture. Donc, ça a été acheté, je ne sais pas si vous pouvez voir. Fais-moi le point, 349 francs. Et ça a été cherché, acheté à Micromania de Ville 2. Lille V2, voilà, pardon. Voilà, donc 349 francs français. Il n'était pas encore en euros et à la date... Donc le 27 octobre 98 à 13h30, voilà. Donc c'est marrant de retrouver... J'aime bien retrouver des vieux tickets de caisse dans mes vieux jeux. Je trouve ça toujours excellent. Je me rappelle que quand j'avais racheté un vieux jeu sur PS2, il y avait encore le ticket de caisse agrafé. Bref, c'est ici que se termine cette vidéo montée... Ah mais non, mais attendez! J'ai gardé le meilleur pour la fin, je m'en étais même pas rendu compte, c'est même pas fait exprès. Une bouse. Mais en même temps, c'est tellement kitsch que je ne peux pas m'empêcher de vous la montrer. Je viens de l'avoir, elle était par terre à côté de moi, elle m'était tombée des mains. Tellement c'est une légende. Johnny Herbert Grand Prix, 98. Alors le sympathique Johnny Herbert, hein, qui a roulé pour moi dans le temps chez l'équipe Benetton en 95 à côté de Schumacher, où il était... nulle part, il avait quand même gagné un grand prix en Angleterre, si je dis pas de bêtises. Il avait gagné Silverstone, je pense. Et alors, chose qui était excellente et que j'ai trouvé kitsch, c'est pour ça que j'ai trouvé ça en vide grenier. Donc, vous avez le jeu, hein, rien d'exceptionnel. La notice qui est desséchée, mais alors elle est jaunie, champignonnée, tout ce que vous voulez, c'est tout bon. La carte Midas Interactive, alors un. Ouais, donc ça c'était pour recevoir une newsletter à l'époque, voilà. Et surtout, la photo dédicacée de Johnny Herbert qui est, je pense que c'est son plus beau profil. C'est vraiment, donc vous aviez une photo dédicacée, bon dédicacée au Schnapps, hein, c'est imprimé par, bon peut-être pas par milliers parce qu'ils ont pas dû en faire des milliers de ce jeu-là, mais sûrement par centaines. Il n'y a pas de cale pour le jeu, mais ouais c'est vraiment, regardez-moi cette bonne tête de vainqueur. Donc Sauber, alors ce grand prix là je me demande 98, je ne sais pas si c'est pas le grand prix d'Europe qui avait lieu au Nürburgring où il avait fait un podium. Parce que je vous avoue qu'en 98 faire un podium avec la Sauber c'était pas gagné. Alors pourquoi avoir pris Johnny Herbert comme, comme figure de proue pour vendre leur jeu. Version française, Reality. Alors vous voyez, ils nous teasent même, je viens de le voir maintenant, ils nous teasent même sur la boîte. Inclut une photo signée de Johnny Herbert, donc ça faisait vendre. Donc voilà, regardez, il y a plein de poussière dessus, c'est horrible. C'est... Oh là là, comme c'est... C'est poussiéreux. Voilà. J'aurais jamais dû faire ce que je viens de faire. Bon, ce n'est pas... ce slogan...
Ce n'est pas juste un jeu, c'est la réalité. Oui, bon. C'est pas si dégueulasse la réalité hein, à l'époque. Quoique, maintenant qu'on en parle. Bon bah écoutez, voilà un petit peu ce que j'ai à disposition, on va dire, sur ma magnifique machine qui est mon ordinateur personnel. J'ai beaucoup d'autres jeux vidéo, mais je ferai certainement d'autres vidéos. Si ça vous intéresse de voir un peu ce qu'il y a dans la collection d'un mec qui joue aux jeux de bagnole depuis maintenant presque 15 ans. Ça vous intéresse de voir ce que j'ai en jeu PS2, j'ai de la Mega Drive, j'ai de la Master System, j'ai plein de choses. Donc écoutez, on va terminer les jeux PC puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça n'aura pas été trop long, que ça n'aura pas été trop chiant, qu'il n'y aura pas eu trop de coupures. Et moi je vous dis à très très bientôt, si pas à demain pour une nouvelle vidéo, il y aura sûrement un mode à la mode ou autre chose qui sera sorti d'ici là. Donc je vous dis à la prochaine, ciao.